Merci de votre fidélité à Vox Africa. Aujourd'hui, nous allons parler du Gabon. Du Gabon qui est en route aujourd'hui pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. Et pour parler du Gabon en campagne, nous avons Ange Kevin Zigou, qui est le président du mouvement des jeunes UPJistes. C'est l'Union des populations du Du Gabon. peuple gabonais. L'Union du peuple gabonais, autant pour moi. Avec moi également sur le plateau, M. Dieudonné Tahiro Aperano, qui est le secrétaire fédéral du PDG en France, le Parti démocratique gabonais. Exact. Bonjour. Bonjour. Avec moi enfin, M. Michel Ongundu-Lunda, qui est membre du mouvement des souverainistes gabonais. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, il y avait déjà cette polémique qui a eu lieu pendant de nombreux mois, de nombreuses semaines sur l'acte de naissance du président gabonais. Finalement, on peut dire qu'elle a fait pchit ou pas, M. Ongundu? Je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire qu'elle a fait pchit. Et puis, il faut quand même recadrer le débat. Ce n'est pas une polémique. Quand un individu se présente à une élection présidentielle et présente un faux, ce n'est pas une polémique. Il y a des raisons légitimes de se poser des questions et de le dénoncer. C'est ce qui a été fait, ce n'était pas de la polémique. On a constaté que Ali Bongo avait présenté un vrai faux acte de naissance pour son dossier de candidature en 2009. Nous l'avons dénoncé, donc ce n'est pas une polémique. Et quand vous attendiez un acte de naissance de Nantes qui a finalement été produit, vous vous dites que on passe à autre chose ou on reste sur le même débat? Soyons quand même prudents, ce n'est pas un acte de naissance qui a été produit, c'est un extrait sur lequel il n'y a pas de filiation. Mais vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait un acte de naissance quand même intégral. Mais pour l'instant, on n'a pas d'acte de naissance. Mais vous savez, vous ne vous attendez pas à ce qu'on vous le donne, quotidien, qu'on vous le quotidien produise. De référence ou de référence, le Monde nous avait produit aussi une déclaration de naissance qui s'est avérée être calamiteuse. Donc attendons de voir ce que ça va donner. Mais de toute façon, on empile des faux sur les faux. On empile des faux sur des faux. À l'arrivée, je ne sais pas si ça lui rend service véritablement. Mais ceci étant... Mais est-ce que ça rend service aux Gabonais? Parce qu'en fin de compte, c'est de cela dont on parle. Est-ce que vous voulez que les Gabonais... L'intérêt des Gabonais. On est dans quelle logique? Dénoncer les dénonciateurs? Est-ce que vous voulez que les Gabonais se taisent parce qu'un bon homme a produit un faux document et qu'il fallait... C'est pas lui qui l'a produit. Pardon? C'est pas lui qui l'a produit. C'est la mairie de Nantes. Non, je parle du document qui a permis à Ali Bongo de se présenter à l'élection présidentielle de 2009. Tout est parti de là. Tout est parti de l'élection de 2009 où il a produit un faux, dont il a d'ailleurs reconnu le caractère faux au cours d'une interview en janvier, je pense sur RFI, si mes souvenirs sont bons, ou sur une chaîne concurrente. Et puis ce document est tellement faux que personne ne peut le contester. D'accord. Donc la campagne se fera quand même sur l'idée que l'acte de naissance n'est pas le bon, qu'il y a un troisième faux qui a été produit et que... Légitimement, le président Bongo ne peut pas prétendre à être président des Gabonais. Ce n'est pas un projet de campagne, ce n'est pas un projet de société. Non, non, je demande simplement, est-ce que vous continuerez dans la campagne à sortir cet argument? Vous, si vous produisez un faux document, qu'est-ce que vous risquez, vous, M. Kemayou? Ah, ce n'est pas en fonction des législations, il y a plusieurs règles qui s'appliquent, mais ce n'est pas moi qui suis concerné. Ça relève, non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, l'usage du faux relève du pénal. Quand en plus on a les fonctions, nous sommes en France, un pays... où parfois une élection est invalidée parce que les comptes de campagne ne sont pas, pas réguliers. D'accord. Nous ne ferons pas toute l'émission sur la. C'est pour ça que je vous dis, ce monsieur a produit un faux. Pour l'instant, il doit répondre de cet acte avant de multiplier d'autres faux et de multiplier les gesticulations. C'est sur ça que nous nous basons. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous êtes un peu plus calme, apaisé, après que Nantes ait produit cet acte de naissance, cet extrait d'acte de naissance du président? Parfaitement. Vous pouvez le considérer, mais nous n'avons jamais perdu notre calme ni notre sang-froid par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce qu'il faut bien replacer les choses dans leur contexte. Il est évident, d'ailleurs, M. Ongundu l'a bien rappelé, qu'il y a... des choses à redire sur ces quelques documents dans le dossier de candidature de notre champion en 2009. Bien. Mais regardons la chose avec un peu de réalisme, avec sagesse. Nous sommes dans un contexte africain. J'ai bien peur que nos détracteurs, en l'occurrence ici l'Union nationale et à côté l'UPG, ne s'appesantissent sur cette chose. Ce ne sont pas vos détracteurs, ce sont vos concurrents. Oui, 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 ça fait partie de la même famille, je considère. Voilà, j'entendais ça de cette manière-là, après ce n'est que du vocabulaire. Oui. Bref, ils veulent... Mais ça a son importance quand même. Oui, bon, c'est un axe. Voilà, c'est un axe d'attaque qu'ils ont cru bon exploiter. Mais dans le contexte africain, je pense quand même qu'ils ont eux-mêmes compris qu'ils n'étaient pas porteurs. Pourquoi? Parce que j'ai bien peur, et je crois que j'ai en face de moi aujourd'hui
comment dire, des représentants issus de la diaspora gabonaise, ou alors qui s'adonnent au paradigme européen. Vous savez que la notion... Il y a rien d'européen dans le fait d'avoir une identité, hein. C'est-à-dire que quand on est, on doit avoir un acte de naissance, France, et quand on vous le demande, vous devez le produire. En France, par exemple, oui, l'expression faux papier, oui, a une connotation beaucoup plus lourde qu'au Gabon. En ceci que nous avons des problèmes d'expulsion dus à un manque de papier administratif. Donc, l'expression faux papier vient de là. Je ne pense pas qu'elle ait été inventée en Afrique. Elle a été inventée en France, en l'occurrence. Donc, j'ai bien peur que ce débat n'ait été porté à ce niveau à cause d'un regard sur la situation avec un paradigme européen. Mais si nous restons dans un contexte gabonais, nous savons très bien, et africains en particulier, nous savons très bien que le rapport de l'Africain avec la chose administrative et particulièrement la chose comment dire, identitaire est très, on va dire, très souple. C'est un rapport très souple. Pour l'anecdote, nous suivons tous les Coupes du Monde. Prenons Roger Milla qui a bien représenté l'Afrique parmi les dernières Coupes du Monde, au moins dans les Coupes du Monde de 90. On ne conteste pas sa nationalité camerounaise. Il est camerounais. Non, mais j'ai entendu des commentateurs à la télévision, Thierry Roland en l'occurrence, s'amuser de ce que Roger Milla a fait 3 ou 4 Coupes du Monde avec le même âge. Pourquoi ? Parce qu'il avait besoin, au sortir de la Coupe du Monde, de re-signer des contrats dans des clubs, et il fallait qu'il baisse un peu son âge pour être accepté. Voilà. C'est vous dire la souplesse que nous entretenons avec les papiers maintenant. C'est pas le même débat. J'en viens. Alors, tout ça pour vous dire que vous aurez du mal à soutenir, où que ce soit, que tous les Gabonais ou tous les Africains nés en Afrique équatoriale française avant les indépendances ont pointé à la mairie, étaient référence. Vous aurez du mal. Un exemple chez vous. Ah, là, vous ouvrez un nouvel axe qui pourrait donner du grain à moudre à l'opposition. Ah non, du tout, du tout. Non, mais c'est la réalité. C'est compliqué parce que c'est la réalité. Ce que vous dites sous-entend que tous ceux qui sont nés avant auraient pu ne pas exister. Non, pas tous. Oui, dans les fichiers. Ils n'ont pas tous existé dans les fichiers. Là, en l'occurrence, Nantes dit que le président Bongo est dans ces fichiers. Ah non, non, mais je ne le dénie pas. Je suis en train de dire que si le papier n'a pas été en sa possession avant cela, parce que il faut bien reconnaître qu'il y a un papier d'une autre nature sur un autre support, enfin je ne sais pas, je ne suis pas juriste, qui a été produit en 2009. Bon, voyons la chose avec un paradigme africain et non européen. Il y a une souplesse. Voilà. D'accord. Oui, je ne voulais pas intervenir sur la question parce qu'il y a eu beaucoup de dit et de non dit sur ce point-là. Mmh. Mais après la gravité des propos que je viens d'entendre, je suis obligé de revenir là-dessus. Mmh. Lorsque j'entends dire que dans d'autres pays, il faut avoir de la souplesse dans le faux, il faut être souple lorsque on fournit des faux. Il y a de la souplesse. Vu qu'on prend l'exemple de Roger Milla pour dire, vous voyez, par exemple, c'est un exemple élogieux, il a eu plusieurs actes de naissance faux parce qu'il voulait rester dans le monde du football et que... Si on continue dans la logique qui a été celle de Roger Milla, on peut avoir un président de la République, comme il doit se présenter à une élection, il peut avoir de faux documents, ça ne choque personne. Moi, je voudrais dire que la surprise de Nantes, puisqu'on parle de la... Agréable ou désagréable lui-même, je pense, le président Bongo était le premier surpris d'avoir un extrait de naissance à Nantes. Mais la surprise de Nantes... Vous êtes la surprise de Nantes, la surprise de Nantes ne remet en rien, en cause, le caractère faux de l'acte de 2009. L'extrait de naissance de Nantes viendra peut-être pour l'avenir, mais pour 2009, il reste que le débat n'est pas tranché parce que il y a des fortes supputations sur le caractère faux de l'acte de naissance. Et je voudrais revenir sur une chose qui a été dite tout à l'heure par le représentant du PDG. Le caractère faux n'est pas lié à l'immigration. C'est pas parce qu'on dit faux papier. Le caractère faux est lié à la véracité des faits qui sont énoncés sur un document. Si les faits énoncés sur le document sont différents de la réalité, ne rendent pas compte de la réalité, on dit que c'est un faux document. Si les personnes qui doivent signer un document ne le font pas ou le font à la place des autres, on dit que c'est faux parce qu'ils rendent compte d'une situation qui n'est pas réelle. Donc, le faux acte de naissance qui aurait été présenté par le président Bongo pour son élection en 2009 n'est pas neutralisé
par l'extrait d'acte de naissance qui a été fourni par Nantes, qui surprend tout le monde, y compris Ali Bongo lui-même. D'accord. C'était juste pour planter le décor, parce que c'est vrai que le livre de Pierre Péan, qui a largement animé le débat politique au Gabon, portait sur cette question de l'acte de naissance du président Bongo et le fait qu'il y ait eu cette publication de l'extrait d'acte, je pensais, pouvait clore le débat. Et c'est pourquoi j'ai voulu commencer par là. Non, ça ne clôt en rien le débat. Bon, moi, je ne vais pas revenir sur les explications filandreuses de mon petit frère. Moi, je voudrais juste lui dire, parce que j'ai l'avantage de l'âge, je suis né en Afrique équatoriale française. Moi, je suis né à Okondja, une petite ville du Gabon, à 800 km de Libreville. Je suis né quelques mois avant la date officielle qu'on attribue à Ali Bongo. Je suis né en octobre 58. Moi, quand je vais à la préfecture d'Okondja, on me sort mon acte de naissance. Et je vais vous expliquer comment ça se passait à l'époque coloniale. Quand vous étiez né dans un centre d'état civil, vous aviez droit à un acte de naissance parce qu'il y avait un officier d'état civil. Quand vous étiez né en dehors d'un centre d'état civil, c'est parfois les prêtres qui faisaient office d'agent d'état civil résiduel qui attribuaient parfois le prénom à l'enfant et qui allaient déclarer, et là vous aviez droit à, comment on appelle ça, à un jugement supplétif donnant lieu d'acte de naissance. Ça ne vous donnait pas de faux papiers. Ça ne vous donnait pas de avec voilà. Deux nuances quand même. Avec deux nuances. La première, c'est que le président Bongo est né à Brazzaville, la capitale de l'Afrique équatoriale française. Et la deuxième, c'est qu'entre-temps, il a changé de nom. Ce qui fait qu'aujourd'hui, normalement, quand vous changez peut-être pas de patronyme, quand vous changez de prénom, ou quand votre patronyme évolue, il y a une mention qui est faite sur l'acte de naissance d'origine. Bon, j'aimerais quand même poser une petite question, parce que vous êtes en train de nous décrire une situation idyllique dans laquelle la gestion des naissances est gérée avec une rigueur absolue. Normalement, il n'y a aucune échappatoire. J'aimerais quand même vous poser une question. Comment ça se fait que votre champion actuel, M. Jean Ping, dont on sait qu'il n'a pas d'acte de naissance, mais un jugement supplétif qui a été établi, je pense, aux alentours de ses 15 ans. Comment a-t-il fait avant? Il est où son acte de naissance? Puisqu'il y avait autant de rigueur. Je ne réponds pas de spéculation. Mais non. Attendez, là, vous enchaînez. On ne va pas ouvrir le débat sur les actes de naissance des uns et des autres. Voilà, monsieur Ping n'est pas là. Absolument. Je préfère qu'on ouvre ce débat. C'est pour ça que je parle de spéculation. Un, Ping n'est pas notre champion. Deux, je n'ai jamais vu l'acte de naissance de monsieur Ping, ni son jugement supplétif. En revanche, le vrai faux produit par Ali Bongo en 2009, je l'ai vu. D'accord. Maintenant qu'on a clos le débat là-dessus, je voudrais simplement que l'on revienne sur toutes les choses qui se sont faites pendant quelques années, oui, parce qu'après l'élection du président Bongo, l'Union nationale a été interdite. Aujourd'hui, elle a le droit d'exister de nouveau. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une forme de détente qui s'est produite sur le terrain au Gabon, sur la scène politique? Je ne peux pas parler de détente, juste que le pouvoir a réparé l'erreur qu'il a commise, parce que dans les annales politiques, c'est du jamais vu, la dissolution d'un parti politique. Même sous le nazisme, le parti communiste allemand, par exemple, avait été interdit d'activité. En Afrique du Sud, l'ANC avait été interdite d'activité, mais pas dissoute. D'abord, c'est un non-sens de dissoudre une personne morale. Parce qu'un parti politique, c'est d'abord un projet. Ce sont des hommes qui se rassemblent autour d'un projet, d'une idée. On ne peut pas les dissoudre. Donc déjà, même sur le plan sémantique, c'est une hérésie totale. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il décide de dissoudre, entre guillemets, l'Union nationale, Ali Bongo, sous la pression, demande que nous fassions un geste pour qu'il revienne sur son acte. Un geste, c'est-à-dire le reconnaître comme président de la République. Parce que je dois vous dire que l'Union nationale s'est créée sur la contestation de l'élection d'Ali Bongo. Donc nous, on ne l'a jamais reconnu comme président de la République. Il est président de fait. Mais ça fait pas un programme. Hein. Mais nous ne parlons pas de programme. Nous ne parlons pas de principe. Oui. Nous parlons de principe. Oui. Et quand on crée ce parti qui s'est créé sur la base de la contestation de l'installation d'Ali Bongo au pouvoir, Ali Bongo a attendu que nous fassions un geste pour réhabiliter le parti. Il a attendu qu'on le reconnaisse comme président. Nous, on a dit qu'il allait réparer l'erreur qu'il a commise et il a fini par, entre guillemets, la réparer. Donc ça, maintenant, la réhabilitation de l'Union nationale, pour nous, c'est à la limite un non-événement parce que nous, on a continué d'exister. Je vous le disais tout à l'heure, un parti politique, c'est d'abord un projet et c'est des hommes et des femmes autour de ce projet. Les hommes ont continué à exister. Le projet pour un Gabon pour tous a continué à prospérer et c'est ce que nous avons continué à faire. Donc, la seule chose qui nous était interdite, c'était
de poser des actes vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire ouvrir un compte en banque, tenir des meetings sur la place publique, aller aux élections. Mais en dehors de ça, nous, on a continué à faire des tournées sur le terrain et à rencontrer les Gabonais. Sur la question de l'Union, la dissolution de l'Union nationale, je voudrais revenir sur un élément. C'est la preuve pour moi que la justice ne sert à rien dans notre pays. Pourquoi ? Parce que lorsque l'acte illégal qu'avait porté le ministre de l'Intérieur à l'époque, de dissolution de l'Union nationale, est porté devant le Conseil d'État pour dire « nous contestons cette dissolution parce que nous pensons qu'elle est illégale », le Conseil d'État a entériné l'illégalité. Et c'est le président de la République. Donc un acte politique, c'est la preuve que la politique est au-dessus des institutions, la politique est au-dessus de l'organisation judiciaire, au-dessus des décisions de justice, ce qui est grave dans un pays. Après une décision du Conseil d'État, le président vient dire « ah non, vous savez, cette dissolution était illégale, je reviens là-dessus ». C'est-à-dire qu'on ne peut même plus faire confiance aux personnes qui sont censées lire le droit dans le pays. C'est le premier magistrat du pays. Premier magistrat au sens… – Il a ce privilège. – L'expression premier magistrat, ce n'est pas au sens juridique du terme, c'est au sens de la gestion de la cité, parce qu'on a gardé la même organisation, athénienne, qui faisait que le magistrat au sens de gestionnaire de la cité est le président de la République, mais pas au sens juridique du terme, pas au sens judiciaire du terme. Le Conseil d'État, c'est l'instance supérieure en matière administrative, et qui est censé, en fait, faire respecter la loi. Bon. Et vous avez une dissolution d'un parti politique qui trouve son essence dans la Constitution. Vous allez voir le juge pour lui dire, de façon totalement illégale, nous avons été dissous, nous vous demandons de réparer cette gravité-là. Il vous dit, ah non, je ne peux rien dire, je ne fais rien, je vous laisse. Et le président de la République revient pour dire, ah non, c'était illégal, ça, c'était inconstitutionnel. Mais en fait, ce que je relève, je me réjouis que l'Union nationale soit réhabilitée, mais ce que je relève, c'est la mise à sac des institutions judiciaires, c'est la mise à sac de l'état de droit. Ceux qui sont censés lire le droit, s'ils ne sont pas capables de le dire, et qu'il faudrait s'en remettre à un homme, parce que c'est le président de la République, je trouve ça grave pour un État. – Je laisse… la responsabilité des propos de mes amis, mes concitoyens. Nous sommes responsables de nos propos. Hein. Quant à l'interprétation juridique, hein, M. Nzigou est certainement plus calé là-dessus, puisque c'est, je pense, sa formation et son métier. Mais j'aimerais quand même souligner un aspect important. Le président de la République est garant des institutions et garant de la paix et de la stabilité du pays. Nous avons affaire là à une situation très rarement vue dans le monde et particulièrement dans les pays africains, qu'un parti politique, 3 ans pratiquement après une élection présidentielle dans laquelle un candidat a été proclamé vainqueur, se manifeste pour dire « Ah ben, peut-être que c'est nous qui avons gagné, et ben, à ce moment-là, nous allons… procéder à la nomination d'un gouvernement parallèle et gérer le pays comme cela aurait dû être fait il y a 3 ans. Bon, ben c'est une situation ubuesque. Non, pour rappeler les faits. Pour rappeler les faits, ça s'est pas fait 3 ans. Non, mais laissez-moi terminer. Non, je ne peux pas vous laisser. C'était plusieurs années après. Non, non, mais laissez-moi terminer, je ne vous ai pas coupé. Je me permets de vous arrêter parce que je suis au premier plan dans cette affaire. Vous vouliez vous saisir parce que j'ai l'impression. Non, non, c'est un débat. On va se répondre. Attendez, monsieur Appert. Non, non, il y a des temps de parole. Ils ne veulent pas entendre. Ils sont déjà deux. Votre problème, c'est que il y a beaucoup d'approximations. D'abord, ce n'est pas 3 ans. Il n'y a aucune approximation. Je suis d'abord, en train de vous dire vous la parlez d'un parti politique qui a présenté des élections. Les élections ont eu lieu en 2009. Mais ce n'est pas sous l'Union nationale. Voilà, l'Union nationale n'existe que depuis 2010. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas vous laisser continuer à dire de telles énormités. Je parle du gouvernement dans lequel je pense que vous-même vous avez. Oui, je suis ministre de la Défense dans le gouvernement alternatif. Vous l'êtes encore ? Absolument. Mais le débat n'est pas là. Le débat n'est pas à ce niveau. Je ne peux pas vous laisser dire des énormités. L'Union nationale a été créée en 2010. C'est encore plus énorme ce qu'il vient de me dire. Il est en train de m'annoncer qu'au Gabon, nous avons 2 ministres. Pourquoi vous essayez de trouver un échappatoire parce qu'on essaie de recadrer le débat? Nous sommes en train de mettre l'accent sur une situation. L'Union nationale a été créée en 2010. L'élection présidentielle a eu lieu en 2009. Donc l'Union nationale étant créée en 2010, on ne peut pas présenter de candidat à une élection qui s'est passée 1 an auparavant. Oui, mais votre champion s'est présenté en 2009. Voilà.
Et c'est André Mbaoubam était candidat. André Mbaoubam était candidat indépendant en 2009. Bien. En 2010, nous créons l'Union nationale. Très bien. En 2011, André Mbaoubam, qui estime que sa victoire lui a été volée, décide de prêter serment. Bien. Et de constituer un gouvernement. Sans passer par la Cour constitutionnelle. Quelle Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle de Bongo? La tour de Pise qui penche du même côté. Du Gabon, la Cour constitutionnelle du Gabon. Je vous restitue les faits. Vous essayez de réécrire l'histoire. C'est ça le propre de PDG. J'étais en train de le faire. Vous essayez de réécrire l'histoire. Vous ne pouvez absolument pas me laisser parler. Non, mais ce que je voudrais simplement que l'on comprenne, c'est que quand un parti prétend à diriger un pays, il est légitime qu'il ait son gouvernement. Bien sûr. De sorte que si jamais il arrivait aux affaires, ce gouvernement se mette au travail. Il faut déjà que la démarche soit légitime. Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, il n'est pas quelque chose d'énervant d'avoir un gouvernement en plus, parallèle. Ce n'était pas une activité de l'Union nationale. C'était un individu. Un candidat qui dit « je revendique ma victoire ». Un candidat indépendant, ce n'était pas l'Union nationale. Peu importe la vie qu'on a sur cette action-là, mais quel lien on faisait avec l'Union nationale? Est-ce que c'était un programme, une activité de l'Union nationale? Je pense que c'est passé, c'est derrière nous, mais c'est juste pour montrer que c'est la preuve, encore une fois, que le PDG au pouvoir fonctionne au-delà, en deçà, au-dessus des règles établies. Écoutez, moi, j'ai bien l'impression qu'ils ont une vision, comment dire, aléatoire. Rectifiez-la. Aléatoire sur la rigueur des règlements, des lois et de la Constitution. Quand il s'agit de l'acte de naissance d'Ali Bongo Ondimba, il faut considérer que tous les enfants nés au Gabon sont régulièrement inscrits. Il n'est pas né au Gabon. Je note, officiellement, je note par ailleurs qu'il y a à peine 5 mois, le gouvernement, comme un pied de nez, a donné la possibilité à beaucoup de Gabonais qui n'avaient pas d'acte de naissance de régulariser leur situation par le biais des jugements supplétifs. Le programme était prévu. Excusez-moi, il faut le dire. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je ne vous interromps pas. Parce que c'est impossible. Vous êtes deux à prendre la parole contre un seul. Est-ce que je peux terminer? Le jugement supplétif est prévu dans le Code civil gabonais. Ce n'est pas le gouvernement qui donne la possibilité aux Gabonais. S'il vous plaît, vous pouvez avoir. Juste vous dire, pour votre information. Est-ce que vous pouvez avoir la discipline? Et la correction. On va changer. Est-ce qu'on peut avoir la correction de laisser parler un interlocuteur jusqu'au terme de son propos? Le faux que vous. Bref. Disais que pas plus tard qu'il y a 5 mois, pour un programme qui était prévu sur 3 jours, il a fallu prévoir au moins 15 jours pour résorber les queues qui se sont formées pour régulariser la situation de plusieurs individus qui vivaient au Gabon sans acte de naissance. Et vous imaginez le reste. Bref. Donc la situation idyllique que mes contradicteurs essayent de vous décrire aujourd'hui n'est idyllique dans leur tête. Voilà. Maintenant, quand il s'agit de lire les textes dans la rigueur, en ce qui les concerne, quand même, c'est extraordinaire que des gens qui veulent diriger un pays viennent créer le désordre en disant « nous avons le droit de créer un gouvernement parallèle ». Et ils prennent leur plus beau discours. Il n'y a rien d'illégal à créer un gouvernement parallèle. Non, mais la seule chose, là où ça devient illégal, c'est que ce n'est pas... Nous-mêmes, au PDG, nous avons Vous êtes aux affaires, c'est normal que vous constituez le gouvernement. Attendez, le Parti démocratique gabonais est un parti complètement indépendant du gouvernement dans lequel on trouve... Mais il y a une structure, dans l'organigramme, une structure, ce sont les secrétaires nationaux qui ont des portefeuilles affectés pour les spécialiser sur un domaine. Ce sont des pseudo-ministres. On va dire ça comme ça. C'est exactement le cas pour ceux qui... Ce n'est pas le cas. Il était président de la République. André Mbaoubam était supposé être président de la République. Il avait un premier ministre. Oui. Ce sont des titres qu'on ne trouve généralement pas dans l'organigramme d'un parti. Et mon compatriote ici était ministre de la Défense. Donc nous avons cette situation particulière au Gabon de vivre au moins dans le camp de l'Union nationale. S'ils ne le faisaient pas, on serait surpris qu'ils arrivent au moment où ils gagneraient éventuellement une élection. Si on le fait dans tous les pays, on n'a pas d'équipe, on ne peut pas vous proposer un gouvernement, ou alors ça prendra un an pour constituer un gouvernement. Mais si on le faisait dans tous les pays, il y aurait la guerre civile à tous les coins de rue. Vous voulez dire qu'au Parti socialiste ou à l'UMP, ils ne savent pas qui pourrait devenir ministre de la Justice? Attendez, entre savoir qui pourrait et s'autoproclamer ministre, président, et qui... D'accord. Premier ministre, non mais vous m'avez bien compris. Très bien. Non, non, mais...
il a été très bien que cette chose soit, arrêtée, cette mascarade soit arrêtée et que le parti qui était à l'origine de la mascarade soit rendu inopérant au moins pendant un temps. Aujourd'hui, que devient l'UPJ? Parce que pendant... Je voudrais qu'on revienne sur le sujet du débat, mais... On n'avancera pas, finalement. L'approximation du PDG avec les textes m'inquiète beaucoup. Oui, c'est j'entends dire, le gouvernement qui donne des actes de jugement supplétif. Mais pour votre information au PDG, le jugement supplétif est prévu par le Code civil. Mais bien sûr. C'est pas un acte politique. Non, mais attendez, mais j'étais en train de dire que ça permet... C'est pas une volonté du gouvernement. Mais attendez, vous m'avez pas compris. J'étais en train de souligner par là que le jugement supplétif donne la possibilité à quelqu'un qui n'a pas son acte de naissance de se faire enregistrer. Mais le gouvernement. Moi, je voulais souligner le nombre de personnes qui étaient dans cette situation. Puisque vous voulez nous faire comprendre, mais c'est vraiment difficile de parler. Il y a trois mois. Est-ce qu'il faut absolument hausser le ton? Vous ne pouvez pas parler doucement et attendre votre tour. Nous sommes tous en train de parler. Non, c'est normal. Donc, moi, j'essaie. Pour vous expliquer. Vous êtes habitué au monologue. On vous comprend. Pour vous expliquer. Vous êtes habitué à dialoguer entre vous. Moi, je suis seul. Je devrais avoir deux fois plus de paroles. Ce n'est pas une question de nombre. Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question d'argumentation. Mais en plus du nombre, ce qui n'ont pas compris, c'est qu'avec la campagne de régularisation des naissances, avec cet établissement des jugements supplétifs, avez-vous noté le nombre de personnes qui ont eu besoin de cette... Pourquoi vous aimez les débats périphériques? Mais le problème, il vient de le poser. Vous êtes en train de nous dire que nous avons une situation idyllique depuis l'AOF, où nous vivons, où tout le monde est enregistré, même les prêtres venaient donner les prénoms. L'Afrique équatoriale française. Et puis là, il y a pratiquement cinq mois, on se rend compte qu'il a fallu des semaines pour résorber un contingent de compatriotes qui n'avaient pas de papier. Vous avez l'art de noyer le débat en allant sur des chemins tortueux. Alors, ce que je voulais vous demander, on a vécu juste après les élections au Gabon en 2009, la perte quand même de deux grands leaders. Il y a eu d'abord Pierre Mamboudou à un certain moment, et puis le président qui réclamait la victoire de l'élection de 2009. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique au Gabon se résume à des personnes? C'est-à-dire qu'on passe de la famille Bongo, par exemple, à M. Mamboudou, puis à d'autres leaders qui incarnent la vie politique plus que leur programme? Moi, je ne dirais pas que la politique au Gabon se résume par des personnes. C'est peut-être le sentiment que cela donne lorsqu'on observe l'absence d'espace de dialogue. Vous voyez, tout à l'heure, on discutait sur l'incapacité du PDG à débattre parce que ce n'est pas dans leur activité quotidienne. L'absence des espaces de dialogue. Donc, des partis politiques bien constitués comme les nôtres n'ont pas la possibilité de discuter des sujets qui sont prioritaires pour les Gabonais, de les exposer au grand public parce qu'ils n'ont pas d'espace pour le faire, justement. Alors, vu les scores que l'UPG a fait aux élections, on ne peut pas dire que vous n'ayez pas eu la capacité de diffuser vos idées. Ça, c'est parce que les Gabonais veulent rester détenteurs de leur pouvoir. Ils veulent se battre contre tout pour dire nous ne voulons pas que soit pris en otage notre pouvoir, le pouvoir du suffrage, en fait. D'accord. Et donc, le fait de penser que parce que nous gagnons les élections, nous avons un espace libre, un espace d'expression, c'est une fausse idée. C'est parce que nous sommes lutteurs que nous pouvons gagner. Donc aujourd'hui, vous considérez que l'UPG est en capacité, malgré ses dissensions internes, qu'il est en capacité de prétendre à la victoire lors de l'élection à venir? Quelle élection? Présidentielle. Pour nous, à l'UPG, la question de l'élection présidentielle n'est pas l'ordre du jour, mais... pour n'importe quelle élection, n'importe quel candidat battrait aujourd'hui Ali Bongo Ondimba. Vous avez vu que je ne l'ai pas coupé. Hein? Vous auriez pu. Non, mais parce que vous êtes désolé. Moi, je suis bien élevé. Mon parti s'appelle le Parti démocratique. Je vais être malveillant. Et nous avons une devise qui s'appelle dialogue. Il ne l'a pas coupé parce qu'il demandait au souffleur de lui dire quel est l'organe, quel est le gadget qui est chargé d'organiser le dialogue, le Conseil national de la démocratie. Une coquille vide. C'est parce qu'il était occupé à demander quel était le nom. Non, mais en soi, est-ce que ce n'est pas normal qu'on fasse un Conseil national de la démocratie dans un pays qui fonctionne normalement? Absolument, mais il faut qu'on sorte de la gadgetisation. Qui est aujourd'hui président de ce fameux Conseil national de la démocratie? Combien de fois s'est-il réuni depuis qu'il a été créé?
Je voudrais que la balle est dans le camp des politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir. Après, non, attention, c'est une institution. On peut jouer ou pas jouer. C'est une institution qui a été créée par Omar Bongo et qui est gérée comme toutes les institutions par le pouvoir en place. Alors, l'opposition ne va pas s'inviter de force. Donc, je voudrais savoir si M. Aperano peut me dire qui est président du Conseil national de la démocratie, où est le siège de ce fameux conseil, où est le siège de ce fameux conseil, le siège à Libreville physiquement, il est où? Et à quel rythme ils se réunissent? Écoutez, moi, je pense que la gadgetisation... Permettez, monsieur Nzigou, quand même. Je vous en prie. Merci. J'espère que vous me laisserez aller jusqu'au bout de mon propos sans m'interrompre intempestivement. Non, on peut interrompre. Ce que je voudrais, c'est qu'on s'interrompe pour faire avancer le débat. À ce moment, je pourrais les interrompre. Sans problème. Bien sûr, ça ne pose aucun problème. Alors, il demandait, M. Nzigou et M. Ndungu demandaient. Ngundu. Réclame un espace dans lequel on puisse s'exprimer politiquement. Mais je pense qu'il y a dans la Constitution des instances prévues pour ça. Je pense par exemple à l'Assemblée nationale. Quand on est un parti politique, on se présente aux élections législatives, on a un contingent à l'Assemblée nationale, et pour peu que vous soyez suffisamment nombreux, vous avez un groupe parlementaire. Le Sénat est là pour ça. Mais dans sa mansuétude et dans sa sagesse, le président de la République, mais je suis obligé d'en venir là parce que. Mais oui, parce que la démocratie est un cadeau que les Bongo font aux Gabonais. Parce que les libertés, ce sont des cadeaux. Mais c'est ahurissant. Gadget. Nous sommes à la télé. Ils demandent un espace de discussion. L'Assemblée nationale est là. Le Sénat est là. Toutes les instances consultatives sont là. Ensuite, ils ont ce Conseil national de la démocratie. Vous pouvez dire où il est. Je vous ai posé la question. Il est installé où à Libreville? Il est installé où? Si vous me demandez où est l'Assemblée, je vais vous dire où est l'Assemblée. Ne faisons pas une espèce de quiz sur la démocratie au Gabon. Je ne dis pas qu'il faut des espaces, excusez-moi. Il faut des espaces pour s'exprimer, pour parler politiquement. Je ne parle pas d'espace d'expression. Je ne parle pas d'institution. Je ne parle pas de manifestation. Mais vous avez tout. Vous avez la liberté de parole. Vous avez les journaux. Vous voulez quoi? La possibilité pour un citoyen d'aller dans une ville et de pouvoir discuter avec ses concitoyens des problèmes du pays. La possibilité pour un citoyen. Ce que je voulais. Non, mais je vous n'avez pas cette possibilité. Les événements du 20 décembre 2014 vont échapper. C'est parce que ce n'était pas possible de se réunir à un endroit précis qui a eu... Non, mais vous êtes extraordinaire. L'UPG existe. Attendez, il y a pléthore de partis démocratiques, de partis au Gabon. Ils ont droit de vie, de s'exprimer. Vous voulez même nous ôter la vie. Enfin, c'est pas ça la question. Savoir si on a droit de vie. Non, mais je suis ce que là. Je voulais savoir. Non, on est sur un plateau pour débattre. Et on doit dire les choses telles qu'elles sont. Le panel de la presse, de la presse écrite est tellement large au Gabon que j'aurais du mal à vous. Ce que je voudrais savoir par-dessus tout, au-delà des querelles qui. Ce que je voudrais savoir par-dessus tout. Ce que je voudrais savoir. Ce que je voudrais savoir par-dessus tout. Puis-je reprendre le fil de l'émission? Bien sûr, je préfère. Alors, quand on regarde aujourd'hui la scène politique au Gabon, est-ce qu'on peut considérer que les conditions sont remplies pour aller vers les élections à venir? Il y a eu plusieurs débats qui ont été soulevés. Celui sur l'acte de naissance qu'on a évacué. Il y a celui sur la biométrie également qui va se poser bientôt. Il y a plusieurs débats aujourd'hui. Pour revenir simplement sur celui de la biométrie, est-ce que les conditions sont complètement remplies pour qu'aujourd'hui on aille? J'aimerais quand même commencer à répondre là-dessus parce que j'ai l'impression que... Je lui pose la question, tout le monde répondra. Bon, très bien. Moi, je pense que pour se rendre compte que nous sommes prêts à aller à une élection, il y a deux piliers sur lesquels il ne faut pas discuter. Le pilier juridique et le pilier politique. Sur le plan juridique, est-ce que nous sommes prêts à aller aux élections? Sans passion. Est-ce que ce serait une élection démocratique d'avoir un tour au présidentiel? Est-ce qu'il serait normal qu'on accepte que le président de la République soit élu par une quinzaine, une vingtaine de pourcents? Donc la minorité. Nous avons les effets négatifs de ce choix-là. Ali Bongo, je ne parle pas d'élection, je mets de côté le caractère douteux de son élection en 2009. Si on considère qu'il a été élu, il a été élu avec moins de 50%. Aujourd'hui, il a les corps intermédiaires qui ne sont pas en accord avec sa politique. Tous les syndicats sont dans la rue, tous les syndicats sont en grève. La majorité des syndicats. Donc, il gouverne pour qui? Il gouverne avec qui?
y a un problème de légitimité, du point juridique. Biométrie. Mais ça, on pourrait le ressortir pour François Hollande. On se planterait pas, hein, on serait à peu près dans le... François Hollande a été élu par la majorité des Français. Oui. Maintenant, après, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses manifestations de personnes qui estiment et des élections qui ont eu lieu dans lesquelles son parti a perdu. En démocratie, c'est la majorité qui donne la légitimité à l'élu. Deuxième chose, nous avons un espace public, une vie politique dans lequel les finances sont devenues... Enfin, un espace politique dans lequel nous avons... le loisir de blanchir notre argent à tout va. Non, mais je ne vois pas le rapport avec... Est-ce qu'on pourrait répondre déjà à la question? C'est vraiment dernier point sur le pilier juridique. Quand vous avez un homme politique, public, qui dépense des milliards pour des meetings, qui dépense des milliards pour la vie politique, on ne sait pas cet argent part. Moi, je dis que c'est du blanchiment d'argent sur la place publique. Et ce n'est pas normal parce qu'il faut moraliser. Je pense que la moralisation, ce n'est pas le fort des PDG. Savez, il faut moraliser la vie publique. Si vous permettez. C'est un élément qui permet d'aller aux élections. Troisième élément, la biométrie. Oui. Vous avez dernièrement une plainte de Gemalto, la société... Contre Gemalto, oui. Contre Gemalto, la société qui a été... Société française. Société française. Et là, ça va poser un problème. Pour installer la biométrie, nous nous sommes rendus compte, tous, eux compris, que ce n'était pas la biométrie. Donc, toutes ces questions-là ne sont pas réglées du point de vue juridique. Vous ne pouvez pas vous lever un an avant l'élection présidentielle pour dire « nous sommes prêts à aller aux élections ». Sinon, ce ne serait pas une élection, ce serait de la mascarade comme d'habitude. Si on veut vraiment aller aux élections, qu'on s'asseye et qu'on discute des questions qui permettent aux Gabonais d'aller librement aux élections. Vous avez sur le donc pour vous, la biométrie aujourd'hui, ce n'est pas la solution. Et non seulement ce n'est pas la solution, mais on n'est pas prêt pour la biométrie. Le Gabon n'est pas prêt pour Non seulement elle n'est pas effective, mais ce n'est pas la solution. D'accord. Ce n'est pas la biométrie qui empêcherait la Dieudonné Perano. Bien. Le patouillage électoral. Pour moi, j'aimerais quand même que mes détracteurs fassent l'effort de ne pas... Concurrent, pas détracteur. Bon, mais concurrent. Vous n'avez rien contre lui, personnellement. Non, moi, je veux contre lui. Bien, donc concurrent. Sauf qu'à chaque fois que je parle, ils ont quelque chose de contraire à exprimer. C'est normal, vous êtes en opposition. Nous sommes des détracteurs, nous sommes des concurrents. Oui, bon, mais tout ça, c'est... La contradiction a du mal à passer chez vous, mais nous sommes en contradiction. Bien, alors justement, je voulais dire que si nous pouvions ne pas sombrer dans le débat... Sur la biométrie, est-ce que le Gabon est aujourd'hui prêt... Est-ce que le Gabon est aujourd'hui prêt à organiser des élections avec la biométrie comme moyen d'identification des... Nous organisons des élections au Gabon depuis plus de 50 ans maintenant. Des nominations. Les dernières élections législatives et sénatoriales l'ont été faites, et même locales, ont été organisées sur la base de la biométrie. Voilà, donc il n'y a aucune raison que quelques années après, nous ne continuions pas sur cette lancée. Maintenant, si on a pu constater ici et là quelques défauts inhérents à la genèse du système, soit on complète par un apport manuel, soit on amène à la perfection le système que nous avons commencé à embrasser. Donc, pour ma part, il n'y a aucune difficulté. Maintenant, du point de vue juridique, nous avons des textes qui ont déjà produit leur efficacité depuis 2009. Ils ont bien montré en 2009 la transition pacifique, malgré les efforts de mes concurrents, avez-vous dit, malgré les efforts de formations politiques concurrentes pour semer le désordre et le chaos. Tout à l'heure, monsieur de l'Union nationale faisait état... Quand je vous appelle, je vous appelle à état des événements du 20 décembre. Nous savons très bien dans quel contexte ces événements du 20 décembre ont été organisés. Et pour la petite histoire, j'espère que vous aurez la décence un jour d'aller demander pardon aux parents de Mboulou Beka, qui est le seul concitoyen dont nous pouvons déplorer le décès en marge de ces événements. On ne peut pas laisser dire des énormités pareilles. Parce que c'est quand même pendant leur congrès. C'est grave ce que vous faites. C'est pendant leur congrès. Vous jouez avec le en décembre. Non, on ne peut pas laisser. En décembre 2014, ici à Paris, c'est pendant ce congrès qu'ont été arrêtées les résolutions qui allaient toutes dans le sens d'installer le désordre et le chaos au Gabon, en instaurant une tension continue. En matière de désordre et de chaos, chaque fois qu'il y a eu des morts au Gabon, c'est l'opposition qui compte ces morts. Quand Ali Bongo s'est porté au pouvoir en 2009, il y a eu le massacre de Port-Gentil. Quand il a été porté au pouvoir. Voilà, quand il a été porté au pouvoir. Pourquoi il n'a pas été élu? Il a été porté au pouvoir. Le résultat... Il s'est porté au pouvoir. OK, quand Ali Bongo a pris le pouvoir en 2009,
il y a eu des massacres à Port-Gentil. Je ne sais pas, vous, par votre nom, vous devez être de Port-Gentil ou de Lambaréné. Je ne sais pas. Peu importe. Vous avez un nom. Il est gabonais. Il y a eu un rapport. Il y a eu un rapport sur les massacres de Port-Gentil. Après, il y a des gens qui acceptent ou pas. Il y a une procédure qui a été initiée par des compatriotes au niveau de la CPI à propos des massacres de Port-Gentil. Ce que je retiens, c'est que chaque fois qu'il y a des morts au Gabon, c'est l'opposition qui compte ses morts. Il n'y a jamais eu de PDGistes assassinés pour des faits politiques, sauf par d'autres PDGistes. Les PDGistes sont des gens disciplinés. Voilà. Bon, maintenant, pour revenir à la biométrie, parce qu'il parle de violence, parce que quand on est la violence, c'est toujours une violence d'État. Mais pour revenir à la biométrie, le jeune Zigou l'a dit tout à l'heure, il y a une plainte contre Gemalto, justement, du fait de cette biométrie tronquée. L'autre chose, nous, on avait suggéré au pouvoir, dans le souci d'apaisement, nous, l'opposition violente qu'il a fait dans la violence, on avait suggéré au pouvoir d'organiser des audiences foraines afin de mettre à plat l'état civil, parce que sans état civil, vous n'avez pas de démocratie, vous n'avez pas d'élection sérieuse. Moi, j'ai discuté avec un maire de la ville où je suis né, à Franceville, il se reconnaîtra. L'état civil était parfait. Ce maire-là m'a dit, parce qu'il était en train de régulariser les actes de naissance, de légaliser les actes de naissance. Le fichier d'état civil. Non, voilà, on lui apportait les actes de naissance à légaliser parce que les gens voulaient se faire enregistrer sur la liste électorale. Il me dit, j'ai près de 60% de ces actes qui sont faux. Ça, c'est un maire d'arrondissement qui me le dit. Il dit, j'ai près de 60% de ces actes de naissance qui sont faux. Et ce sont ces actes de naissance qui vont servir. C'est sur la base d'un fichier d'état civil qui est sujet à caution qu'on a constitué le fichier électoral qui lui-même est sujet à caution. Et quand il se gargarise des informations sur la nature douteuse du fichier d'état civil, je voudrais lui dire que c'est le PDG qui est au pouvoir depuis 50 ans. Et que si les choses ne marchent pas bien, c'est ce parti qui est au pouvoir et pas un autre. Mais est-ce que justement la biométrie n'aurait pas pu être une solution en permettant de réorganiser. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait une opération qui avait été faite pour que des jugements nous, on a proposé que des audiences foraines soit organisé de manière à régulariser la situation de tous ces enfants et de tous ces citoyens qui, pour diverses raisons... Mais il y a eu une campagne dernièrement, j'en ai parlé. On ne parle pas de la même chose, M. Aperano. Moi, je vous parle d'audience foraine. Oui, comme ça s'est passé en Afrique. La forme est indéfinie, mais la démarche est la même. Votre problème, M. Aperano, c'est que vous ramenez tout à la politique. Là, je vous parle d'un acte administratif. D'accord. Je retiens simplement que l'UPG a été favorable à la biométrie. Par rapport à la biométrie, le président Pierre Momondou, de son vivant, a proposé même la loi, qui devait régir la question de la biométrie, même si elle a été vidée de tout son sens par les émergents. Mais la biométrie, dans le contexte de la fraude électorale, ne règle qu'un problème de la fraude électorale. Dans la fraude électorale, vous avez le bourrage d'urnes, pour lequel le PDG nous a habitués, vous avez les listes électorales. Essayez de lever le débat, s'il vous plaît. Bourrage d'urne, PDG habitué, non mais franchement. Je vous invite à lire la décision de la Cour constitutionnelle en 2009, où la Cour constitutionnelle dit, je vous invite à le lire, je vous l'enverrai si vous voulez, où elle dit elle-même que vous vous trompez sur les résultats, vous vous trompez sur un bureau de vote, parce que l'urne était remplie avant. On a décompté les bulletins qui étaient là avant le début du scrutin. Je me suis demandé à quel moment on a voté si le scrutin n'était pas On se demande qu'est-ce que faisait le président de ce bureau. C'est une parenthèse. On se demande que faisaient ses assesseurs. Mais normalement dans un franchement, la biométrie ne vient régler qu'un seul problème, celui du fichier électoral. C'est déjà quelque chose de bien. Oui. C'est pas le seul problème. Ça ne règle pas le problème de la fraude électorale. Si vous avez une liste électorale régulière, et que les gens sont empêchés de voter. Vous avez une liste électorale régulière et que les gens sont empêchés de participer au dépouillement, vous pouvez toujours... Ça s'appelle de l'abstention. Non. Si les gens ne viennent pas, c'est de l'abstention. Ils sont empêchés de voter. Empêchés de quelle manière? Vous voulez nous dire qu'au Gabon, on empêche aux gens de voter? Je peux vous dire.
Je peux vous le prouver. Non, non, mais attendez. Je peux vous le prouver. Nous ne sommes pas ici sur les réseaux sociaux, monsieur Ndiougou. Attendez. Vous faites une assertion de cette nature. Mesurez quand même la grossièreté de la chose. Vous ne pouvez pas nous parler d'empêchement d'aller voter. Ce qui est grossier, c'est la façon dont vous gérez le pouvoir. Oh, non, non, mais attendez. C'est pas monsieur Appert. Il est responsable fédéral en France. Ce que je voulais vous demander, au-delà du fait que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on peut considérer que la biométrie commence déjà à résoudre le problème du fichier électoral? Puisque la biométrie elle-même est un problème, c'est une biométrie tronquée. Elle n'existe pas. Bon. Écoutez, puisqu'il y a eu des élections qui ont été tenues. Mais justement, avant la biométrie, il y a eu des élections qui ont été tenues. Et pendant, il y en a eu aussi. Et pendant, il y en a eu dans les mêmes conditions. Oui. De désordre, de cafouillage et de fraude. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu une amélioration? Il n'y a eu aucune amélioration. Attendez. Je vous pose une question. Parce que vous n'êtes pas représentant du gouvernement. Je ne vais pas vous accabler avec les questions du gouvernement. Vous êtes représentant du PDG. Bien sûr. Parti unanime à l'Assemblée nationale. Vous avez, je vous pose une question. Partie majoritaire à l'Assemblée nationale. Comment vous faites le contrôle de l'action du gouvernement? Comment vous pouvez. Dernièrement, il y a deux jours, le Conseil des ministres est réuni et a proposé un projet de loi. Je vous pose la question, est-ce que vous allez le voter ou pas? Où on permet au président de la République de légiférer par ordonnance. Est-ce que vous allez le voter? Mais je ne peux pas vous dire, je ne suis ni député, non, en tant que PDG, vous avez un avis sur la question. De légiférer par ordonnance. À propos de... C'est pas illégal. C'est le gouvernement. Illégal. Je veux prendre des ordonnances. Oui. Non, mais attendez. Mais oui, c'est pas illégal. Si c'est inscrit dans la Constitution. Dites-moi. Sur des choses qui le méritent. Vous utilisez quelle Constitution au Gabon? Bon, attendez. Monsieur Ndiougou. Parce que la Constitution gabonaise ne permet justement nous pas... Nous étions en train de parler de l'environnement... Hein, qui, ça participe de cet environnement. Qui entoure les élections. Mais ça participe de cet environnement. Si vous participez, les ordonnances, si vous nourrissez l'abstention, comment vous voulez que les gens aient les élections? Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'abstention sociologique. Vous vous dispersez. Non, on se disperse. Vous êtes dans l'abstention maintenant qui serait provoquée par je suppose, des attitudes ou des décisions du président de la République. Non, de votre parti. Puis-je prendre la parole Que je vous demandais, c'était de savoir si vous soutenez l'idée que le gouvernement que vous soutenez, vous soutenez l'idée qu'il présente un projet de loi et si vous êtes pour que l'Assemblée nationale l'adopte, où on permet au président de la République de prendre des ordonnances. Écoutez, mais cela peut se faire. Je veux qu'il réponde à cette question qui est simple. Écoutez, ce n'est pas une question simple parce que il s'agit quand même de. Oui ou non, vous êtes favorable ou pas favorable? Favorable, voilà, c'est simple. Je n'ai pas réfléchi à la chose. D'accord. Vous ne réfléchissez pas aux affaires. Moi, je vous dis une chose. La Constitution gabonaise. Monsieur Ndiougou. Il nous reste trois minutes à peine. On ne va pas s'interpeller simplement. La Constitution, il faut la respecter. Vous n'êtes pas au-dessus de la Constitution. Vous devez respecter la Constitution. Vous êtes ici de représentants. Il respecte la Constitution. De personnes qui savaient ne pas la respecter quand ça vous arrange. Parce que installer un gouvernement parallèle, vous aurez du mal à me faire entendre. Que c'est un respect net et concis de la Constitution. Merci, monsieur. Vous êtes, la Constitution permet au gouvernement de prendre des ordonnances, pas au président de la République, c'est deux choses différentes. L'institution du président de la République est une institution différente de celle du gouvernement. Très bien. Puis-je reprendre le fil, si monsieur Ndiougou vous le permet. Donc, ce que je voudrais que l'on relève quand même, c'est que on est à quelques mois de la présidentielle et on a l'impression qu'au sein de l'opposition, il y avait une tentative, peut-être qu'elle se concrétisera, de désigner un candidat qui sera le candidat unique. Pour répondre à cette situation, vous parliez d'élections à un seul tour. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours à l'ordre du jour? Parce que j'ai cru entendre qu'il y a un nom qui émergeait, celui de M. Jean-Ping. Je vous dis une chose. Enfin, par rapport au Front, vous avez eu une tentative Si vous pouvez faire court, parce que j'ai beaucoup de choses à dire entre là-dessus. Entre le Front et l'UFA, le Front, aujourd'hui, a mis en place une commission qui va se charger de définir les éléments. J'appartiens à cette commission-là, donc je peux en parler. Si vous pouvez faire vite, parce que... C'est une clarification que j'apporte. Si vous... Je sais que vous avez du mal avec les clarifications, parce qu'il y a une ambiguïté dans votre gestion du pays. Donc, je clarifie les choses. Candidat unique de l'opposition ou pas? Pour mettre en place les conditions de désignation du candidat unique. Mais vous savez une chose, nous n'avons pas le monopole de la population. Aujourd'hui, avec les moyens que nous connaissons, qui sont ceux du PDG, on peut toujours faire naître des candidats. Mais la dynamique est que le Front présentera un candidat. Unique. Un candidat
Ou des candidats. D'accord. Non. Les souverainistes également seront dans la dynamique de la désignation d'un candidat unique de l'opposition ou il y aura deux. Avant de parler d'élection, il faut parler des conditions de l'élection. Oui. Là, en l'occurrence, on parle du candidat unique, puisque c'est quelque chose qui est en gestation. Mais le candidat, le plus difficile. Le plus difficile, ce n'est pas la désignation du candidat. Des personnalités de talent, il y en a dans l'opposition. Il y en a même certainement aussi au PDG. Probablement. Voilà. Le vrai problème, ce sont les conditions d'élection. Et nous disons, dans les conditions institutionnelles actuelles, nous ne pouvons pas aller aux élections. Nous ne pouvons pas cautionner une telle mascarade. C'est tout. D'accord. Parce que désigner le candidat. Même si un candidat de l'opposition était désigné, vous ne seriez pas avec lui. Vous parliez de Jean-Ping. Si c'est un débat entre l'UPG et l'Union nationale, je me demande qu'est-ce que je suis venu faire. Donc, vous parlez de Jean-Ping. Je me demande qu'est-ce que je fais là quand il s'agit de l'Union nationale. Nous, on veut que la personne qui est désignée porte les revendications de l'opposition par rapport aux conditions institutionnelles. Ce n'est pas aller aux élections à n'importe quel prix. Donc, c'est ça. Donc, vous ne participez pas du choix du candidat unique de l'opposition. Nous participerons du choix de la personnalité qui va porter le leadership pour porter nos revendications. Voilà notre philosophie. Merci beaucoup de vous rappeler, de vous souvenir de moi. Je dis ça. Bien. Je pense que nous ne nous sommes pas bien entendus sur les conditions qui entourent l'élection présidentielle depuis plusieurs décennies au Gabon, qui ont toujours porté un effet, même s'il a été contesté, en face. Bien. Maintenant, je voudrais quand même m'appesantir un peu sur la raison pour laquelle ce choix d'élection à un tour a vu le jour. Ça vous effraie d'avoir un seul candidat de l'opposition ou pas ? Vous êtes serein ? Du tout. Complètement serein. Mais je voudrais rappeler quand même que ce choix d'élection à un tour, la Constitution telle que nous la vivons aujourd'hui, a été installée par, a été soutenue par des représentants du pouvoir à l'époque qui sont aujourd'hui dans le camp d'en face. Je suis un peu surpris que ça revienne sur la table. Maintenant, je voudrais quand même argumenter sur les raisons pour lesquelles ce choix a été fait. Parce qu'il ne s'agit pas de changer pour changer. Pour changer, encore faut-il que le changement amène à amélioration. Le Gabon est un pays hétéroclite avec une dizaine de ethnies. Il nous reste moins de 30 secondes. Merci beaucoup de me les laisser. Oui. Alors, la raison du choix à un tour repose sur le fait que, avec des partis qui sont basés sur des appartenances ethniques, il peut se créer au deuxième tour des alliances qui sont non plus politiques, mais des alliances ethniques qui n'ont pas de garantie dans la durabilité et avec les conséquences sur la stabilité du pays. Maintenant, la preuve aujourd'hui, à un tour, il faut qu'il arrête de se noyer. Si vous permettez, je vais vous laisser parler. Alors, on va faire comme au marché. Maintenant, j'aimerais quand même vous faire rappeler qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels les élections se font en un tour. Donc, nous ne sommes pas les premiers à inventer la chose. Moi, c'est votre... Oui, la Corée du Nord. Les États-Unis, la démocratie, moi, c'est votre argumentation. L'Angleterre, qui ne sont pas les moindres des démocraties. Donc pourquoi ? Moi, c'est cette argumentation spécieuse que je voudrais relever. Nous avons malheureusement épuisé notre temps. Merci à vous tous d'être venus. Le président de la République qui gouverne en Allemagne. Monsieur Kevin Zegou, merci encore d'être venu. Merci à monsieur Ngondo Michel, monsieur M. Aperano. On a malheureusement épuisé notre temps. On est allé au-delà du temps qui nous était accordé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat pour Politiquement Incorrect. À la semaine prochaine.